Bonjour, bienvenue dans le cours de reflet. 同学们大家好，欢迎大家来到 episode 24的 communique 部分。那么在今天的有话快快说的板块里边，我们会涉及的是什么主题呢？第一个主题，表达惊讶。第二个主题，讨价还价。哇哦，还很押韵哦，都是非常实用的。我们来看第一个，表达惊讶。第一句是 Mais tu ne te rends pas compte Mais tu ne te rends pas compte， 这谁的台词呢？ Violaine 的台词。第二句 Non mais tu rêves Tu rêves， 哇哦，说得好重哦，你做梦啊，我们怎么可能在六天的时间里面做出50条丝巾来呢？ Non mais tu rêves。 第三句Tu ne parles pas sérieusement, tu ne parles pas sérieusement, 你说这个话不是认真的吧？ Tu ne parles pas sérieusement, 同样是表达惊讶。第四句 Tu ne crois pas ce que tu dis, tu ne crois pas ce que tu dis, 你也不相信你刚刚说的话吧？你让我们这么短的时间里面做出那么多条丝巾，怎么可能呢？ Tu ne crois pas ce que tu dis, 你也不相信你说的话吧？好，一起来看一看原版的 Violaine。Mais tu ne te rends pas compte. Non, mais tu rêves. Tu ne parles pas sérieusement. Tu ne crois pas ce que tu dis. 第二个主题，讨价还价。第一组 Il faut que vous me fassiez un bon prix. Oh, ici on commande et après on discute. 这个呢就是课文当中的原句了。Il faut que vous me fassiez un bon prix. 您要给我一个好价钱哦。Oh, ici on commande et après on discute. 我们这里的规矩是先订货然后再讨价还价哦。好奇怪的规矩哦。第二组 Vous me faites un prix d'ami, n'est-ce pas? Vous me faites un prix d'ami, n'est-ce pas? 你给我一个朋友价是这样吗？朋友价多好的词。Un prix d'ami. Vous me faites un prix d'ami, n'est-ce pas? 大家把这句话记住哦，以后说不定能用上。中文翻译成什么比较好呢？或许我们可以翻译成友情价。Vous me faites un prix d'ami, n'est-ce pas? Vous savez, ce n'est pas l'habitude de la maison. Vous savez, ce n'est pas l'habitude de la maison. 您知道，这不是 maison 的习惯。那么这个 maison 该如何解释呢？是房子还是家？注意哦，在这里呢，两个都不是 maison， 除了有房子和家的意思以外，还有一种可能性就是店。这不是本店的习惯哦，本店没有这种习惯。为什么我老是想到以前说的小本经营，概不赊账？好吧，这没有什么关联。Vous savez, ce n'est pas l'habitude de la maison. 您知道，我们这里没有这个规矩哦。第三句 ，Vous calculez le prix au plus juste, n'est-ce pas? Vous calculez le prix au plus juste, n'est-ce pas? 这里的 juste 这个词呢，用得非常有趣。juste 有的时候可以指一个鞋或者是衣服呢，它比较紧，有点窄。比如 des chaussures un peu juste, des chaussures un peu juste， 鞋子有一点紧。那么在这里呢，也是类似的。Vous calculez le prix au plus juste， 您计算价格是以最紧的方式计算的，对吗？也就是说完全没有水分，没有砍价的空间，按照最低的价格来算的，是这样吗？ Vous calculez le prix au plus juste, n'est-ce pas？ 回答可以是 Nous allons faire notre possible， 我们尽可能吧。 Nous allons faire notre possible， mais je ne peux pas vous le promettre， mais je ne peux pas vous le promettre， 但是我也不能承诺您什么，我尽量给你低价，但是也不能承诺您什么。第四句 Évidemment, je compte sur une remise. Évidemment, je compte sur une remise. Remise 是什么？就是折扣。Compte sur 是指望，那我就指望折扣，也就是说，当然我会希望您给我打折哦。Évidemment 是当然的意思。当然我会指望您给我打折哦。Évidemment, je compte sur une remise. 回答非常的有趣。Ça va être difficile. Ça va être difficile. 这个应该会很困难哦。Ça va être difficile.Nos prix sont déjà très bas, n'est-ce pas? Nos prix sont déjà très bas, n'est-ce pas? 我们的价格已经很低了，不是吗？ Nos prix sont déjà très bas. 注意 n'est-ce pas 不一定前面都是 c'est 什么什么，也可以是别的内容。比如这里的 nos prix sont déjà très bas 和 c'est 没有半毛钱关系哦，但是依然可以说 n'est-ce pas 难道不是吗？好，一起来回听一下原版录音。Il faut que vous me fassiez un bon prix. Oh, oh, oh. Ici, on commande et après, on discute. Vous me faites un prix d'ami, n'est-ce pas? Vous savez, ce n'est pas l'habitude de la maison. Vous calculez le prix au plus juste, n'est-ce pas?
Nous allons faire notre possible, mais je ne peux pas vous le promettre. Évidemment, je compte sur une remise. Ça va être difficile. Nos prix sont déjà très bas, n'est-ce pas? Et maintenant, reposez-vous et faites des exercices.好的，今天的有话快快说呢，就到这里告一段落了。接下来进入今天的第二个板块，对话听听看。首先，先来看一看我们的问题是哪些。在看问题的过程当中呢，也可以提示我们待会儿会听到一些大致是怎样的内容。第一个问题 ，qui téléphone， 那么就说明是一个电话的对话。qui téléphone， qui répond， 第二题是 qui répond， 谁打来电话，谁回应的呢？第三题 ,qu'est-ce qui intéresse le client? Qu'est-ce qui intéresse le client? 那么 qu'est-ce qui 作为主语，作为一个问句的主语的话呢，它表达的是什么？它带的应该是什么内容呢？应该是东西啊，不是人。请大家注意哦， qu'est-ce qui 可以被拆成两个部分。第一个是 qu 与一撇，其实也就是 qu， 它表示问的是东西。然后呢 ,est-ce qui,est-ce qui 代表问的是主语。那么我们刚才已经告诉大家了，这里问的是主语。est-ce qui代表我问的是主语，而最前面的 que 呢，表示我问的是东西。 Qu'est-ce qui intéresse le client， 什么东西令那个顾客感兴趣呢？ Qu'est-ce qui intéresse le client。 第四题 Pourquoi veut-il parler à Monsieur le Sage？ Pourquoi veut-il parler à Monsieur le Sage？ 为什么他要同 Monsieur le Sage 讲话呢？其实呢，这个题有一点剧透了。如果对话只是在两个人之间发生的话，那么非常有可能就是 client 打电话过来，然后被打的人呢就是 Monsieur le Sage 啊，不应该说被打，接电话的人呢是 Monsieur le Sage， 会不会就是我们课文里边的 Monsieur le Sage 那个演员佩德因呢？我们待会听了就知道了。Pourquoi veut-il parler à Monsieur le Sage？ 为什么他要同 Monsieur le Sage 说话呢？这位 client 为什么要同 Monsieur le Sage 讲话呢？第五题。Quel est le prix demandé par Monsieur le Sage pour l'ensemble? Quel est le prix demandé par Monsieur le Sage pour l'ensemble? 对于这个一整套东西，那也许是卖家具，也许是卖别的。对于这一整套呢， Monsieur le Sage 他所给出的价格到底是多少？ Monsieur le Sage 他的要价是多少？第六题， Est-ce qu'on peut discuter du prix avec un antiquaire?Est-ce qu'on peut discuter du prix avec un antiquaire? 能不能同古董商进行讲价的呢？第七题， Quand Monsieur le Sage sera-t-il à la galerie? Quand Monsieur le Sage sera-t-il à la galerie? 什么时候他会在画廊里面呢？ Monsieur le Sage。 好的，带着这七个问题，我们开始听对话。Épisode 24. Communiquer. Exercice 2. Retenez l'essentiel. Allô, je suis bien chez Monsieur le Sage. Oui, c'est moi. Que désirez-vous? Je suis passé hier à votre galerie en votre absence. J'ai vu un ensemble comprenant une table, 8 chaises et 4 fauteuils. J'aimerais les revoir. Quand pourrais-je passer? Mais demain, si vous voulez. J'y serai à partir de 10 heures. D'accord.Je voudrais également que vous me confirmiez le prix. Il s'agit bien de 12 000 euros? C'est bien ça. Vous êtes monsieur... Ducrot. Il faut également que je prenne la dimension des meubles et que je discute avec vous. Eh bien, je vous attendrai demain, monsieur Ducrot. Je vais m'arranger pour rester à la galerie jusqu'à 16 heures. À demain, donc. 刚才那些问题，大家是不是都已经能够回答了呢？Allô, je suis bien chez monsieur le sage. Allô, je suis bien chez monsieur le sage.我这个电话是不是打到了 Monsieur le Sage 那里呢？ Oui, c'est moi. Que désirez-vous? 是我。Que désirez-vous? 您想要什么呢？配音呢，还是原来配音的几个人，太没意思了。其实也可以理解，听力的录制应该是和视频的设置是分开的，不同的组来进行的。好的，不管它，我们继续往下看。
Je suis passé hier à votre galerie, 我昨天来过您的画廊. Je suis passé hier à votre galerie en votre absence. 在您不在的时候, 那昨天没有遇见您, en votre absence. J'ai vu un ensemble comprenant une table, 8 chaises et 4 fauteuils. 我看到有一个家具的套装。 这一套里面包含什么东西呢? 有一个桌子,有8个椅子,以及4个扶手椅。 J'ai vu un ensemble comprenant une table, 8 chaises et 4 fauteuils. 那这里的 comprenant 呢,表示包含什么什么东西。 这个时候,我们有没有可能回答几个问题呢? 比如第一题, qui téléphone 应该是可以的, un client, un client. 第二题, qui répond 那自然就是 monsieur le sage, monsieur le sage. 第三题, qu'est-ce qui intéresse le client? Qu'est-ce qui intéresse le client? 那么就是 un ensemble, 一个套装。 如果你要把它说全的话, 可以把刚才那些话再念一遍, un ensemble comprenant une table, 8 chaises et 4 fauteuils. 然后我们继续看这个对话的文稿, j'aimerais bien les voir, j'aimerais bien les voir. 我想要看一看他们, 那么他们呢, 指的就是这些家具了。 j'aimerais, 这里是什么动词呢? 动词当然是 aimer, 但它的时态呢, 是条件式, 现在是。 这个时态我们还没有仔细讲过, 但是呢却用到过几次, 比如 je voudrais, 就是我想要, 这里的 j'aimerais 呢, 跟 je voudrais 的意思是一样的, 这里也可以换成 je voudrais les voir, 完全没有问题。 我想要看一看这些家具, quand pourrais-je passer, quand pourrais-je passer, 我什么时候可以到您这边去呢? quand pourrais-je passer, 这里的 pourrais 是 pouvoir, 时态是简单将来时, quand pourrais-je passer, 我什么时候可以过去呢? Mais demain, si vous voulez, 如果您愿意的话, 您可以明天过来, demain, si vous voulez, j'y serai à partir de 10h. 这里的 partir 究竟是要去什么地方呢? 注意要 partir 不是要去任何地方, 我们在这边看到的一个短语, 注意要是短语哦, à partir de, 表示从什么什么时候开始, j'y serai à partir de 10h, 我从10点钟开始在那边, 所以呢您可以在那个点以后, 在10点以后, 到那边去就可以遇到我。 D'accord, je voudrais également que vous me confirmiez le prix. D'accord, je voudrais également que vous me confirmiez le prix. 那么 confirmer 它这个动词的不定式是什么呢? 自然非常的简单, 就是 confirmer. Confirmer 是确定的意思。 那么 confirmer 是什么时态呢? 难道是 imparfait 吗? 对不起哦, 不是 imparfait, 虽然长得很像 imparfait, 但是它是在 je voudrais que 的后面, 也就是 vouloir que 的后面, 应该用什么时态? 应该是虚拟式现在时。对了，这个地方就是虚拟式现在时。 Je voudrais également que vous me confirmiez le prix. 我呢，另外还希望您给我确认一下价钱。 Également 是也，同样的这个意思。 Il s'agit bien de 12 000 euros. Il s'agit bien de 12 000 euros. Il s'agit de 表示这里我们所谈到的、所涉及到的是什么东西。在这个上下文之下呢，我们就翻译成是也就可以了。 是12000欧元, 对吗? 中间还有一个 bien, bien 呢表示加强语气, c'est bien ça, 还有一个 bien, 还是加强语气, 我们可以翻译成确实如此,就是这样。 Vous êtes monsieur, 您是哪位先生呢? 实际上这里是问对方叫什么名字, 回答是 Ducrot, Ducrot, 这是一个 nom de famille, 这是一个姓。 Il faut également que je prenne la dimension des meubles et que je discute avec vous. 我还要取一下这些家具的尺寸，那么具体指什么呢？指量一量那些尺寸究竟是多少，那么可以考虑一下我放在什么位置上，我家的什么位置比较适合于摆放这些家具呢？ Et que je discute avec vous. 那么discuter是讨论的意思，还有什么好讨论的呢？ 自然是价格方面，再商量一下，看看能不能再低一点呢？ Il faut également que je prenne la dimension des meubles et que je discute avec vous. Eh bien, je vous attendrai demain. 那这样呢, 我就明天等您吧。 Eh bien, je vous attendrai demain, monsieur Ducrot. Je vais m'arranger pour rester à la galerie jusqu'à 16h. S'arranger, 我们已经不是第一次遇见了。 S'arranger表示安排的意思。 我安排一下, 我在画廊一直待到16点, 就是下午的4点。 那么在这么一段时间里边呢, 您都可以来找我, 从上午的10点到下午的4点。 Je vais m'arranger pour rester à la galerie jusqu'à 16h. Jusque 是直到的意思, 那么 à 16h 呢, 是在16点的时候, 所以放在一块就有一个省音的现象, jusqu'à 16h, jusqu'à 16h. 最后一句, à demain donc, à demain donc, donc 是那么,
的意思。那么就明天见吧。À demain donc。好的，我们一起来看一看能不能回答剩下的那些问题呢？第四题 ，Pourquoi veut-il parler à Monsieur le Sage？ Pourquoi veut-il parler à Monsieur le Sage？ 为什么这位顾客他要同 Monsieur le Sage 说话呢？因为他想看一看那些家具，对吗？那我们可以说 ，Il veut voir l'ensemble。Il veut voir l'ensemble。他想要看一下那个套装。当然，也可以说 ，Il veut voir les meubles。Il veut voir les meubles。他想要看一下那些家具。第五题 ，Quel est le prix demandé par Monsieur le Sage pour l'ensemble？ Quel est le prix demandé par Monsieur le Sage pour l'ensemble？ 那么 Monsieur le Sage 他所开的价格，对于那个家具一套家具所开的价格是多少呢？相信大家还记得是12,000欧元。那我们可以直接的回答 12,000 euros， 12,000欧元。第六题 ，Est-ce qu'on peut discuter du prix avec un antiquaire？ Est-ce qu'on peut discuter du prix avec un antiquaire？ 能不能同古董商再讨论一下价格呢？再讨价还价一下有没有可能？那么像这样的商品呢是有可能的，所以我们回答 oui 就可以了。第七题 ，Quand Monsieur le Sage sera-t-il à la galerie？ Quand Monsieur le Sage sera-t-il à la galerie？ Monsieur le Sage 他什么时候会在画廊里面呢？什么时候在 galerie 里面？我们有讲过第二天的10点到16点，对吗？我们可以说 demain de 10h à 16h， demain de 10h à 16h， 明天从10点到16点。那么这样的回答呢勉强也可以，严格来说呢还是有点问题的，因为实际上不是明天，不是我们此时此刻说明天，而是站在当时的角度上来说的明天。那么我们现在该怎么说呢？应该说第二天，对吗？所以我们可以说 le lendemain de 10h à 16h， le lendemain de 10h à 16h， le lendemain 表示第二天的意思。好的，所有这七个问题呢我们都已经回答完毕了，接下来我们来回听一遍整个对话吧。 Episode 24 Communiquer Exercice 2 Retenez l'essentiel. Allô, je suis bien chez Monsieur le Sage. Oui, c'est moi. Que désirez-vous? Je suis passé hier à votre galerie en votre absence. J'ai vu un ensemble comprenant une table, 8 chaises et 4 fauteuils. J'aimerais les revoir. Quand pourrais-je passer? Mais demain, si vous voulez. J'y serai à partir de 10h. D'accord. Je voudrais également que vous me confirmiez le prix. Il s'agit bien de 12,000 euros? C'est bien ça. Vous êtes monsieur... Ducrot. Il faut également que je prenne la dimension des meubles et que je discute avec vous. Eh bien, je vous attendrai demain, monsieur Ducrot. Je vais m'arranger pour rester à la galerie jusqu'à 16h. À demain, donc. 好的，这一段对话听完以后呢，我们还有一段对话，它的名称非常有趣，叫做 langue de bois。 langue de bois， 那我们知道 langue 是什么呢？ langue 可以是语言，也可以是舌头。那么 bois 呢？ bois 是木头。 langue de bois， 我们想象一下用木头做的舌头，它讲出来的话会是怎样的呢？它的意思是打官腔，非常不真诚，就好像是木头的舌头才能说出来的话。好，我们先来听一听这段对话吧。Exercice 3. Langue de bois. Nous souhaitons tous que les choses changent. Certes, mais elles ne changeront pas toutes seules. Je suis d'accord. Il faut que nous y mettions tous de la bonne volonté. J'ai peur que la bonne volonté ne suffise pas. Je suis heureux que vous en soyez consciente. Il est indispensable que nous soyons tous du même avis. Je ne crois pas que ça soit possible. J'ai bien peur que vous ayez raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que nous reprenions cette discussion depuis le début. 这个对话还真的是 langue de bois， 官腔非常的重哦，大家都有听懂吗？这里边一共有几位先生呢？有几位 homme， 一共有两个哦。首先 le premier homme 说 Nous souhaitons tous que les choses changent， 我们呢都希望事情能够有改变。那如果我仅仅是这样翻的话呢，就不会听上去有什么不同，但是如果大家听一下他的口气的话，会觉得真的是 langue de bois。 Nous souhaitons tous que les choses changent， 是不是觉得语气真的真的很重要呢？ Nous souhaitons tous que les choses changent， 我们都希望事情能够有改变。这里的 tous 呢代表的是所有的人，它是一个代词，在这里做同位语，因为它指的人呢同 nous 是同样的人。Nous souhaitons tous que les choses changent。 那么对面这位女性是不是同意这个观点呢？她说 Certes， 当然，当然如此。
Mais elles ne changeront pas toutes seules, 但是她们不会自己改变哦。如果你不做努力的话，没有任何措施的话，这些事情并不会自己变化，对吗？ Elles ne changeront pas toutes seules. Toutes seules 是独自的意思。由于它指的是 elle, 所以呢，这里的 tout 也是阴性的形式。那么这位女士说这个话是什么意思呢？指的就是虽然大家都希望事情朝好的方面发展，但是真的要当它发生的时候怎么才会发生？还是要采取措施才会发生，对吗？光说是没有用的。Le deuxième homme, 第二位男士说 Je suis d'accord, 那他应该不属于 langue de bois, 对吗？ Je suis d'accord, il faut que nous y mettions tous de la bonne volonté, il faut que nous y mettions tous de la bonne volonté. 我们每个人呢都必须把自己良好的愿望放进去。La bonne volonté 呢往往指的是为他人谋福利的一种良好愿望。那么这个时候呢 la femme 说了 J'ai peur que la bonne volonté ne suffise pas,光有良好的愿望，光有做好事为他人谋福利的这种想法呢，应该还是不够的。那么他指的可能是必须还有切实的措施，正确的做事方法等等，光有一腔热情是不够的。J'ai peur que la bonne volonté ne suffise pas. 那么 suffise, 它的动词不定式是什么？是 suffire, 是 re 结尾的。那么这里呢 suffise 是它的虚拟式的形式哦，请大家注意了。那这个时候呢，打官腔的第一个男士又出来了。Le premier homme 说 Je suis heureux que vous en soyez consciente. Je suis heureux que vous en soyez consciente. 我非常开心你们意识到这一点了。这里的用法是什么呢？是 être conscient, consciente de quelque chose. Être conscient, consciente de quelque chose. 因此呢，才会出现一个 Je suis heureux que vous en soyez consciente. Le deuxième homme 说Il est indispensable que nous soyons tous du même avis. 非常重要的一件事情呢，就是我们必须达成一致。Il est indispensable de 表示什么什么事情是必不可少的。Être du même avis 表示意见相同。Avis 是意见的意思。Même 是相同的。Il est indispensable que nous soyons tous du même avis.然后女士说 Je ne crois pas que ça soit possible. Je ne crois pas que ça soit possible. 这位女士呢经常提出反对的意见。我不相信这个是可能的。不可能每个人的意见都是一样的。这是这位 femme, 这位女士的观点。Je ne crois pas que ça soit possible. 那么第一位男士他是不是同意呢？ Le premier homme 说 J'ai bien peur que vous ayez raison.我担心您说的是对的哦，我也认为每个人都达到同样的意见是不可能的。那么这里的 j'ai bien peur, 这个 bien 呢是对 j'ai peur 的加强，表示我也非常担心这个是不可能达到的事情。这里的 ayez 动词的不定式是什么呢？是 avoir, ayez 是什么形态？虚拟式，现在式。好，接下来第二位 homme 说 alors qu'est-ce qu'on fait? 那么我们究竟怎么做呢？说了这么多，讨论了这么多，最后究竟如何来进行行动呢？这个时候 ,premier homme 说 ,il faut que nous reprenions cette discussion depuis le début. 啊，这个话真的是有点讽刺哦。他说我们必须从头再讨论一遍这个问题。那也就是说刚才说了那么多话都白说了。好的，接下来请大家再回听一遍刚才的整段录音。Exercice 3. Langue de bois. Nous souhaitons tous que les choses changent.Certes, mais elles ne changeront pas toutes seules. Je suis d'accord. Il faut que nous y mettions tous de la bonne volonté. J'ai peur que la bonne volonté ne suffise pas. Je suis heureux que vous en soyez consciente. Il est indispensable que nous soyons tous du même avis. Je ne crois pas que ça soit possible. J'ai bien peur que vous ayez raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut que nous reprenions cette discussion depuis le début.Et maintenant, reposez-vous et faites des exercices.
好的，今天的听力呢就练到这里了。接下来还有一点点的时间，那我们做什么呢？我们可以补一补语法。其实呢，这一课的语法非常的重要，因为它牵涉到 subjunctive 虚拟式。我们已经做了不少的练习了，以练 subjunctive 的变化方式、变位方式为主。但是作为判断上来说呢，我们练的还比较少一点。那么接下来这一组题呢，是除了要求大家会变 subjunctive 的变位以外呢，还要进行判断到底是 indicative 还是 subjunctive。 所以这题的名称呢就叫做 indicative ou subjunctive。 首先有一个 example， 有一个范例是这样的， vous êtes venu， vous êtes venu， 你们来了， vous êtes venu， 要求大家改成 je suis heureux que， 后面的那半句是要求大家填出来的， je suis heureux que vous soyez venu， 也就是要求 vous êtes venu 改成虚拟式 vous soyez venu。 一起来看正式的题目。第一题， j'ai fait votre connaissance， j'ai fait votre connaissance， 我认识了您， j'ai été heureux， j'ai été heureux， 我很开心很开心能够认识您。那么应该填的是什么呢？ j'ai été heureux 后面到底是填 indicative 还是 subjunctive 呢？非常奇葩的一个事情就是这道题的答案是 j'ai été heureux de faire votre connaissance， j'ai été heureux de faire votre connaissance。 嗯，挺正常的一句话。那么我们为什么要说这个答案非常的奇葩呢？因为我们填上去的内容是什么？是 de faire votre connaissance。 那么它属于直陈式还是虚拟式呢？非常不幸的，它不属于直陈式也不属于虚拟式，它是不定式，通俗的讲就是动词的原型。那么为什么是这样呢？这道题是练习册上的一道题哦。法国人的脑袋有的时候会不太好使，大家原谅他们吧。好，原谅他们以后呢，我们来看第二题。 Vous avez fait bon voyage, je suis content. Vous avez fait bon voyage, je suis content. 您进行了一次非常棒的旅行，我很开心，对这件事情我表示非常的高兴。那么应该怎么说呢？应该是 Je suis content que vous ayez fait bon voyage.Je suis content que vous ayez fait bon voyage。 我们知道原来是 vous avez fait， 现在呢助动词 avez 变成了 ayez， 因为表示情绪的形容词再加 que， 从句当中呢一般要使用虚拟式。这里的 que vous ayez fait 呢，实际上应该算作是 faire 这个动词的虚拟式过去时，但是它的变位呢也非常的直观。我们知道只要把 passé composé 它的 avoir 变成虚拟式就可以了。Je suis content que vous ayez fait bon voyage. Je suis content que vous ayez fait bon voyage. 第三题， On ne vous a pas assez écouté. Je suis certain. On ne vous a pas assez écouté. Je suis certain. 人们没有足够的听你们说，我很确定，我确定呢，他们没有足够的听你们。那么这里的 assez 和 écouté 之间呢，也可以连诵 assez écouté, assez écouté。那么 je suis certain que 后面要不要加上虚拟式呢？那么请大家注意，一般表示确定的这样的含义呢，后面是不加虚拟式的。比如 je suis sûr que， je suis certain que， j'affirme que， 都是不加虚拟式的。因此这里的 être certain que 后面是不要虚拟式，直接加直陈式就可以了，非常的简单。正确的答案是 je suis certain qu'on ne vous a pas assez écouté。Je suis certain qu'on ne vous a pas assez écouté. Je suis certain qu'on ne vous a pas assez écouté. 第四题， Je suis parti trop tôt, je regrette. 我走得太早了，我感到有些遗憾。Je suis parti trop tôt, je regrette. 那么答案应该是什么呢？应该是 Je regrette d'être parti trop tôt. Je regrette d'être parti trop tôt. 是不是觉得有一些奇怪呢？首先为什么要用动词的不定式？那是因为主句跟从句是同一个主语，都是日。那么接下来为什么有个 de 呢？为什么是 d'être？ 为什么有个 de 呢？因为是 regretter de 很遗憾做某事，这个 de 呢是跟着 regretter 的。第三个问题，为什么是 d'être parti， 为什么不是 de parti 一个 trop tôt 呢？这是因为原句说的是 je suis parti， 已经是 passé composé 的形式，已经是完成的形式了，因此呢最后就变成了是 regretter d'être parti trop tôt。第五题， Vous nous avez quitté fâché, vous nous avez quitté fâché, je suis désolé. 你们离开我们的时候呢是非常生气的，我很遗憾，我很抱歉，很抱歉让你们这么生气。那我们可以说成什么呢？应该是 Je suis désolé que vous nous ayez quitté fâché.
Je suis désolé que vous nous ayez quittés fâchés. 这里要用虚拟式哦。因为 être désolé que 表示情绪的要用虚拟式在从句当中。第六题 ,il a perdu son père, il a perdu son père, 他丢失了他的父亲，失去了他的父亲，他父亲去世了。Je suis triste, 我感到很悲伤。组合成一句话应该是什么呢？应该是 Je suis triste qu'il ait perdu son père. 注意哦 qu'il ait perdu, 这里的 aide 是助动词，是 avoir 的虚拟式现在时，那么整个动词 perdre 呢就是虚拟式过去式。Je suis triste qu'il ait perdu son père. Je suis triste qu'il ait perdu son père. 第七题 On lui a volé tout. On lui a volé tout. 有人偷掉了他所有的东西。Je suis étonné. 我表示很惊讶。那么做成一个打句一个整句是什么呢？应该是 Je suis étonné qu'on lui ait volé tout. Aïté 哦。Je suis étonné qu'on lui ait volé tout. 第八题 Vous êtes arrivé en retard. J'ai peur.你迟到了，我担心呢你会迟到。J'ai peur que vous soyez arrivé en retard. J'ai peur que vous soyez arrivé en retard. 那么这里呢请大家注意 avoir peur que 后面呢可以加缀词 ne。如果加上缀词 ne 的话那就变成 J'ai peur que vous ne soyez arrivé en retard. J'ai peur que vous ne soyez arrivé en retard. 缀词 ne 呢是可加也可不加的。好了，今天的课程就到这里结束了，同学们，我们下一次再见吧 ，salut。